Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un test express, un petit test express chez KFC pour un sandwich de leur gamme petit prix, on va dire. Je teste le tout petit, regardez ça, il est microscopique, le petit crunchy. Donc il coûte 1,50€ ou 1,60€, ce qui est pas très cher. C'est moins cher que la gamme petit prix McDo où c'est tout à 2€. Voilà, on a quelque chose encore moins cher. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va le disséquer ensemble. Je pense que ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors, je l'ouvre, j'attrape la caméra et on regarde. Hop, hop, hop. Alors, sur le bun supérieur, on a de la sauce. Alors, c'est une sauce... Alors là, comme ça, je ne saurais pas vous dire, ça a l'air épicé parce qu'il y a des petits morceaux de piment. Je vous dirai après ce que c'est, là sur l'instant je sais pas. On a un tender, donc juste une aiguillette de poulet pané, et une petite tranche de fromage. On a que ça. Bon, pour 1,60€ c'est pas si mal au final. C'est une petite, si vous avez une petite faim ou pour compléter un menu, ça fait pas trop cher. C'est pas mal. Le pain, je vais vous le montrer le pain. Le pain est, c'est un petit pain spécial quand même. Hein. Petit pain au sésame, il est tout mignon. Hein. Hop, je repose ça et j'attaque la dégustation. Ce que vous attendez tous. Hop, on est parti. Alors, le crunchy, il n'a pas toujours la même sauce. Il change la sauce au fur et à mesure, il y a des périodes, et c'est impossible de savoir sur internet quelle sauce c'est en ce moment. J'ai cherché. C'est, ça tourne, c'est... Je sais pas, là c'est une sauce un petit peu type sauce samouraï. C'est un peu épuisé, c'est pas mauvais. Alors par contre, j'ai mordu une fois dedans et il en manque un quart. Mais c'est pas mauvais. Je vous le montre si vous voulez croquer un morceau, mais prenez pas tout parce que je vais pas en avoir. Hein. J'ai un petit peu faim quand même, moi. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, je le termine comme d'hab et on se retrouve juste après. Alors. Qu'est-ce qu'on pense de ce sandwich du Colonel Sanders, pardon. Bah, je pense que pour 1,60€, c'est vraiment bien. On a notre petit tender, on a notre petite sauce qui change régulièrement, donc on n'est jamais lassé au final. Et bon, c'est un peu sec, c'est pas génial, mais ça marche. Pour 1,60€, on peut pas se plaindre. Donc moi, je lui donnerai une note de 15 sur 20. Et oui, j'y retournerai, en tout cas... Lors d'une petite visite à KFC, j'hésiterai pas à en prendre en plus d'un menu ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal, vous pouvez y aller. Donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo tout bientôt. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Nous suivre sur Twitter, sur Facebook pour la même chose, être au courant des vidéos. Sur Twitter, vous avez des petites... je retweet des photos de hamburgers qui sont magnifiques, etc. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Enfin voilà, c'est tout. Donc on se retrouve à la prochaine. À bientôt.